Afu News Vauvo. Afu News Vauvo. Afu News Vauvo. Angastrane atran tumpk las tumpk vav ni fanara anoni radio madap.com mastivi madap.com amnisov ton sol. Mbola malalaka tsara ny tsenan'ny asan'ny informatika eto Madagasikara. Tsy tara ihany koa raha mihoatra amin'ny any ivelany ary manana ny fahaiza-manao amin'io sehatra io ny mpahay informatika malagasy. Asa iray isan'ny mahasarika tanora maro tato ato ny asa tao amin'ny tranokalina sy mifandraika amin'ny informatika. Anampiana indrindra ireo tanora malagasy ary ampiroboroboana io sehatra io eto Madagasikara dia mikarakara fiofanana maimaimpona ny boîte2.com. Tamin'ny tindray mitoraka ity dia I marketing ny event ny hetsika mitanterahina teny amin'ny welcome mahitosy fifampizarana traika efa ny tena tanjona tanora manodidina ny zato eo no nandray anjara tamin'izany isan'izany Rantso Rakotomalala izay manantena ny ahita asa ao aorian'ny fiofanana formation gratuite en informatique. Et ma formation informatique, ça se voit dans la formation. Et nous faisons une formalité. Et nous faisons une formalité. Et nous faisons une formalité. Et nous faisons formation à Tsy ampipay informatika iray etsy any Frantsa ankehitriny ary iray tapitrisa kosa any Etazonia amin'ny vina roapolo sy roa arivo hoy Franck Parenti mikarakara ny hetsika. Andresena lahatra ireo orinasa any ivelany hampiasa voleto Madagasikara ary anehoana fa manana traikefa ny malagasy no tanjona apetrany amin'ireo fiofanana karakarainy arahintsika amin'ny fiteny frantsay ny fanazavana. Une question. Alors oui, on a beaucoup de responsables informatiques qui viennent, qui ont des compétences très fortes dans la création de sites internet, la création d'applications, création de contenu, création de vidéos, tout ce qui touche aux réseaux sociaux et le call center. Donc en fait d'ailleurs c'est les 6 modules que Boîte2Com propose pour une formation gratuite. Boîte2Com offre une formation gratuite à temps plein pendant un an sur un de ces 6 modules. Donc si vous voulez vous inscrire à cette formation gratuite Boîte2.com, vous pouvez aller sur le site Boîte2.com. Et vous avez trouvé le formulaire d'inscription parce qu'on offre cette formation gratuitement pendant un an aux jeunes malgaches. Donc pour répondre à votre question, on a aussi bien des personnels expérimentés et pros, et on a aussi des profanes, comme vous avez dit, qui veulent justement apprendre. Et l'idée c'est avec ces barcamps, ces tables rondes, de pouvoir discuter, qu'ils puissent apprendre, et après, elles vont directement proposer leur CV aux entreprises. Et ben voilà, je m'y connais pas trop, mais je souhaite réussir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent. Il manque aujourd'hui des centaines de personnes à recruter à Madagascar. Et pour vous donner des chiffres, en France, il manque plus de 100 000 informaticiens. Et il manque à l'horizon 2020 1 million d'informaticiens aux États-Unis. Ça a été publié dans le Wall Street Journal. Donc l'objectif, c'est de pouvoir montrer les compétences des informaticiens à Madagascar pour répondre à ce besoin de ces grandes entreprises qui ont besoin d'applications iPhone et Android. Selon vous, un avis de spécialiste, est-ce que les informaticiens malgaches ils sont à la hauteur? Très bonne question. Alors justement, c'est pour ça que je suis venu à Madagascar, parce que les informaticiens malgaches sont à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont du temps, parce qu'ils sont disponibles, parce qu'ils parlent aussi bien malagasy que français, éventuellement anglais. Et aujourd'hui, ces nouveaux langages sont assez récents. Il faut du temps pour les apprendre. Donc souvent, les consultants qui sont en France, aux États-Unis, n'ont pas le temps d'apprendre ces nouveaux langages de programmation. Pour vous donner un exemple, Apple a sorti un nouveau langage qui s'appelle Swift, qui est sorti il y a très peu de temps. Et en fait, aujourd'hui, peu de gens ont eu le temps d'apprendre. Sauf éventuellement les jeunes informaticiens malgaches qui sont en fait plus disponibles et qui vont pouvoir apprendre et qui ont du coup des meilleures compétences que des informaticiens qui ont appris des vieux langages de programmation qui, il y a 10 ans, qui ne sont plus utilisés. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un métier qui est nouveau. Tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est création d'applications. Et en fait, la population malgache est quand même assez jeune. La moitié de la population a moins de 20 ans. Ils sont tous connectés avec leur smartphone, sur Facebook. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que veulent les entreprises. Elles veulent des personnes jeunes et motivées
pour pouvoir créer des applications iPhone et travailler sur les réseaux sociaux. Donc concrètement, Boîte de Com recrute des personnes et on les paye à aller sur Facebook. On va vous dire, bah, tenez, allez sur la page Facebook de Boîte de Com, mettez des commentaires, mettez des informations pour pouvoir développer la marque sur Internet. Voilà le type de poste qu'on recrute. Donc en fait, ça peut être très bien des profanes qui savent utiliser Facebook et on va pouvoir les recruter pour leur proposer ce travail. Donc concrètement, il y a trois choses qu'on fait. Boîte de Com recrute, ainsi que des sociétés lors de e-marketing events. Boîte de Com organise ces fameux e-marketing où on va discuter de tables rondes pour s'échanger, montrer qu'on est professionnel. Et troisième chose, Boîte de Com organise une formation qui est entièrement gratuite pendant un an au métier du web.